aujourd'hui, pot-au-feu. Cuisson du pot-au-feu, c'est 3 heures de cuisson. 3 heures de cuisson mijotées, mijotées dans un bouillon. Donc, on commence toujours par la viande. Donc là, plusieurs viandes que je présente. Ici, vous avez la joue de bœuf, qui est un petit peu gélatineux. La queue de bœuf, ici. Des morceaux assez rares, avec des petits croquants qui donnent du goût. Le jarret, hein, un morceau assez maigre, un petit peu gélatineux, avec un petit os à moelle. Ça, c'est le plat de côte. C'est un morceau bon marché, hein, et qui est très bon, qui donne beaucoup de goût. Et ici, un morceau qui est beaucoup plus maigre, ça s'appelle le jumeau de bœuf. Voilà. Alors, dans un pot-au-feu, toujours essayer de mixer plusieurs morceaux. À peu près 3 morceaux. On commence par la viande et 1 heure avant de fin de cuisson, on rajoute tout ce qui est légumes. Donc les légumes, c'est le chou, le poireau, la carotte, le navet, l'oignon piqué au clou de girofle, les pommes de terre. Voilà. Et un bouquet garni, hein, qu'on met en fin de cuisson pour avoir des légumes qui restent légèrement croquants. Donc nous, on en a fait aujourd'hui du pot-au-feu. Donc ça se présente à la part, en barquette. Hein, donc il y a juste à le mettre dans une casserole et le faire mijoter pendant 10 minutes, un quart d'heure, juste pour faire réchauffer. Tout est prêt. Voilà, donc c'est la recette du pot-au-feu de la boucherie Guillot.